ce jour du Seigneur, vous resterez dans vos maisons. Ayez confiance. Tout ce qui était à faire a été très bien fait. Un communiqué sera diffusé quand le danger sera passé. Personne pour le moment. Mais il faudra publier un communiqué après cette réunion. Il est précédé et suivi d'une quantité de débris plus ou moins volumineux. Mais c'est le gros fragment qui nous inquiète. On n'a pas encore établi toutes les données, mais dans 6 jours au plus tard, il pourrait nous percuter. Il y a un fragment d'Orphée qui se dirige vers nous et ce n'est pas un petit caillou. Document diffusé par la BBC dans les premières heures de la matinée. Les membres du cabinet réunis ce matin ont discuté l'annonce faite par l'observatoire de Chandra Bank. Un fragment d'astéroïde détourné de son orbite par une comète se trouve sur une trajectoire de collision avec la Terre. Nous interrompons notre reportage sur la catastrophe de New York pour diffuser un communiqué que nous recevons du centre de Houston. Il y a 3 minutes, à 10h30... Cela dit, nous trouvons déplorable que le peuple américain doive compter sur la BBC pour l'informer sur des faits que nous devons être les premiers à connaître. Moi, je trouve déplorable de ne rien avoir à voir. Monsieur ? Un scotch. Un double, s'il te plaît. 2 doubles. Une masse de rochers de 1000 mètres de large, percutant le sol à 50 000 km à l'heure, formerait un cratère large de 80 km et profond de 8000 mètres. Le météore est 8 fois plus large. Sa force d'impact équivaut ou à l'explosion de 2,5 millions de mégatonnes de TNT, ou à une secousse de 10 degrés supérieure au plus important séisme jamais enregistré. Le météore enverrait dans l'atmosphère 5 milliards de tonnes de terre, réduisant les rayonnements solaires pendant des décennies dans de telles proportions que nous risquons de revenir à l'ère glaciaire. Dès qu'on saura que ce gigantesque bolide doit s'écraser sur nous à la vitesse de 50 000 km/h. Et vous allez annoncer au monde que nous avons des têtes nucléaires en orbite dans l'espace, en contradiction flagrante avec tous les accords internationaux que nous avons signés. Vous vous demandez quelles mesures nous avons prises pour nous assurer que ce météore ne menace à aucun moment notre planète. Je suis heureux de vous dire qu'ayant pris en compte qu'un cataclysme de ce genre risquait de se produire, votre gouvernement, en collaboration avec les plus grands savants spécialisés en la matière, a mis au point un plan d'action, un plan destiné à faire face à cette menace. Satellite armé en orbite autour de la Terre, possédant à son bord des fusées atomiques pointées vers l'espace. Bonne définition, mauvaise direction. Que peut faire le satellite Hercule?
En appuyant sur un bouton, je suis en mesure de déclencher une puissance de feu capable de détruire tout corps étranger menaçant de percuter notre planète. Mais dans cette circonstance, il semble que certaines complications interviennent. Le météore est d'une taille et d'une vélocité telles que même ce puissant armement ne réussirait pas à le pulvériser. Mais par bonheur, l'Union soviétique, faisant preuve d'une prévoyance égale à la nôtre, a mis en orbite son propre satellite de défense. Nous ignorons le nom que les soviétiques ont donné à leur arme, mais nous savons qu'elle existe. Nous allons leur demander de joindre leur puissance nucléaire à la nôtre afin que nos forces conjuguées soient capables de neutraliser le météore en lui opposant une irrésistible puissance de feu, éliminant ainsi à jamais la menace qu'il fait peser sur nous tous. L'Union soviétique soutiendra toujours les initiatives d'où qu'elles viennent, qui tendraient à promouvoir la sécurité et le bien-être de l'humanité. Quarante minutes plus tard, nos propres fusées iront les rejoindre. Elles frapperont le météore pour le faire dévier de sa trajectoire afin qu'il ne puisse jamais plus menacer la Terre. Je vais chercher pour la lire ce recueil d'inepties qu'est selon vous la Bible. J'ai pu la soustraire à toutes vos recherches, et comme l'on punit de mort sa détention, elle constitue le seul bien auquel j'attache une importance véritable. Je vais donc tranquillement m'asseoir pour la lire, jusqu'à l'instant de ma fin dernière. Et vous, à quoi allez-vous occuper vos derniers moments ? Pénétrez dans cette salle à vos risques et périls, parce qu'elle vous conduit dans le futur. Un futur pas forcément le nôtre, mais qui pourrait l'être car il met en scène un monde qui plonge ses racines dans un type de société dont nous avons connu bien plus d'un exemple. Il est modelé selon les normes des dictatures de tout poil qui ont marqué du poids de leurs bottes les pages de l'histoire, et cela depuis la nuit des temps. Il a assez raffinement d'ailleurs une technologie avancée qui permet à ce monde une démolition plus subtile des libertés de l'homme. Pourtant, comme tous les états totalitaires qui le précèdent, il a à la base une règle d'or. La tolérance est ennemie et la connaissance est menace. Je vais vous dire, moi, ce qui vous a amené, quoique je doute que vous l'admettiez dans le fond de vous-même. Dites-la-moi toujours, cette chose inadmissible. Je n'entre pas dans vos coordonnées. Je présente le tort de ne pas être bien conforme aux normes. Tout est nomenclaturé maintenant, classé, étiqueté. Vous êtes la force, le type de mon genre, la faiblesse. Vous contrôlez, ordonnez, décrétez, et puis les gens comme moi suivent et obéissent. Pourtant, cela ne vous suffit pas. Je ne colle pas. Au contraire, vous convenez parfaitement. Très bientôt, vous supplierez qu'on vous épargne, ainsi que le font tous les autres. Oui, vous vous justifierez. Votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais vous vous y accrocherez quand même. Et quand vous la sentirez à deux doigts de vous échapper, et comprendrez que ce n'est plus qu'une question de minutes, nous verrons si vous ne conforterez pas le bien fondé de l'État et sa force par l'étalage de votre propre faiblesse. Ce genre de retransmission n'est pas extraordinaire, je vous l'ai dit. Les exécutions de masse de l'an dernier ont été diffusées intégralement. 1449 personnes effacées en 6h30. Mais vous ne comprendrez jamais. L'histoire ne vous a-t-elle rien appris ? Mais si justement, elle est d'un grand enseignement.
Certains prédécesseurs nous ont montré combien leur route était bonne à suivre. Hitler, bien sûr. Staline aussi. Mais ils n'ont pas péché par excès. Simplement, ils n'ont pas été assez loin. On a laissé courir par trop d'indésirables, lesquels peuvent former un noyau de résistance. Les vieux, pour prendre un exemple, s'accrochent au passé. Ils refusent le nouvel ordre. Les handicapés, les infirmes, les malades incurables sont une charge. Alors moi, je dis, éliminons-les, ainsi que les gens comme vous. Ils ne peuvent pas accomplir de tâches utiles pour l'État. Aussi, nous en séparons, nous. D'ailleurs, tout État, toute idéologie qui refuse de reconnaître la valeur, la dignité et les droits de l'homme est aussi à proscrire. Il était donc à propos de mettre fin à une vie si improductive. Et comme cela, M. Wordsworth, bibliothécaire de son État, mais pas du nôtre, pourra connaître le Nirvana ou je ne sais quel paradis, je ne sais quel Éden dont on parle dans ses fichus livres.